Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Samuel et bienvenue sur ma chaîne YouTube Oasis Finance. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances sur comment investir en bourse. Si c'est une thématique qui vous intéresse ou bien vous souhaiterez vous constituer un patrimoine boursier, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à l'apparition de chacune de mes vidéos, comme ça vous ne ratez rien. En faisant mes recherches cette semaine, je suis tombé sur plusieurs sociétés très intéressantes, dont dans cette vidéo, je vais vous en parler de deux sociétés en particulier. Mais avant tout, l'introduction et on se retrouve tout de suite. Nous revoilà pour une deuxième et dernière partie des actions intéressantes pour le mois de mars. Dans la première vidéo, je vous avais présenté la société Logitech, qui est une société qui est dans le secteur technologique. La société Logitech est une compagnie suisso-américaine. Dans cette deuxième partie, je vous propose de voir ensemble la société Western Alliance Bank Corporation, qui est une banque qui est basée aux États-Unis. Western Alliance Bank Corporation n'est pas vraiment une banque qui est connue du grand public. La majorité du temps, quand les gens veulent investir ou bien acheter des actions bancaires, ils pensent souvent à des grosses banques comme la Société Générale, Wells Fargo, JP Morgan et j'en passe. Mais quand vous regardez, la majorité du temps, les banques régionaux ou bien les banques des niches sont des banques qui performent très très bien. Prenons par exemple l'exemple de West Alliance, c'est une banque qui a eu une performance ces derniers 6 mois de 200,98%, ce qui est super. Et cette année seulement, la banque a eu une performance de 57,76%. C'est pour cela qu'il est très important, quand vous souhaitez investir dans des sociétés, de vous-même faire vos propres recherches et ne pas faire ce que tout le monde est en train de faire. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle gagne son argent. En deuxième, on va regarder ses finances. En troisième, le risque qui va avec l'investissement dans cette entreprise. Et en dernière partie, je vous donnerai ma conclusion. Si nous comparons la performance de l'action de Western Alliance Bank Corporation avec celle de la grande banque américaine JP Morgan, on peut voir que Western Alliance Bank a une performance ces derniers 6 mois de 201,98% et JP Morgan de seulement 63,21%. Ça, c'est seulement ces derniers 6 mois. Si nous prenons la performance de cette année, c'est-à-dire de janvier jusqu'à maintenant, Western Alliance Bank a une performance de 57,96% et JP Morgan de seulement 20,5%. Une très très grande différence. Donc vous voyez clairement que Western Alliance Bank est une banque qui performe beaucoup mieux que JP Morgan, malgré que JP Morgan est une très grande banque qui est beaucoup plus connue chez le grand public. Western Alliance Bank Corporation est une société de holding bancaire. La société fournit des gammes de produits et des services, comme par exemple des services de dépôt, les prêts et les gestions de trésorerie. Les segments régionaux de la société comprennent l'Arizona, le Nevada, la Californie du Sud et la Californie du Nord qui fournissent des services bancaires et connectent sur leurs marchés respectifs. Les opérations des segments régionaux correspondent aux divisions bancaires qui comprennent l'Alliance Bank of Arizona, en Arizona, la Bank of Nevada et la First Independence Bank au Nevada, la Torrey Fund Bank en Californie du Sud et la Bridge Bank en Californie du Nord. Passons maintenant aux chiffres et aux finances de l'entreprise pour voir si la société est en très bonne santé financière. Il faut bien noter que chaque industrie et chaque secteur sont analysés différemment sur le marché financier. La manière dont vous allez analyser une action dans le service financier n'est pas de la même manière dont vous allez analyser une action dans le secteur technologique. Le business model d'une banque semble être compliqué, mais en réalité, elle est toute simple. C'est vrai qu'au fil du temps, les banques ont dû changer leur business model pour pouvoir gagner plus d'argent. Mais le premier ou bien les services essentiels de la banque, c'est 1. D'offrir des prêts à ses clients et 2. D'offrir des possibilités d'épargne. C'est-à-dire, si un client a besoin d'argent, il va voir sa banque pour demander un prêt et la banque vous donne un prêt. Pour ces prêts, elle vous charge des intérêts. Ces intérêts, pour la banque, c'est un revenu. Si vous allez épargner votre argent, la banque va utiliser cet argent pour pouvoir prêter cet argent à ses clients. Et c'est comme ça que la banque gagne son argent grâce à ses services.
Quand on regarde ces graphiques, on peut voir que le montant total accordé au prêt n'a fait qu'augmenter trimestre après trimestre en 2020. Prenons par exemple la première trimestre de 2020, le montant total accordé au prêt était de 23,1 milliards. La deuxième trimestre s'est passé de 23 à 25. Troisième trimestre s'est passé de 25 à 26 milliards. Et à la dernière trimestre de 2020, le montant total qui était accordé au prêt était à 27,1 milliards. Ce qui est bien est que le montant total qui ont été déposés ou bien épargnés dans cette banque ont aussi continué à augmenter. Si nous prenons par exemple la troisième trimestre de 2020, la banque a eu un montant total de dépôt de 28,8 milliards et à la quatrième trimestre, un montant total de 31,8 milliards. Les crédits ou bien les emprunts ont augmenté de 28,1% comparé à l'année précédente et les dépôts ou bien les épargnes ont augmenté de 40,1% comparé à l'année précédente aussi. On peut aussi voir que la banque a continué à générer de très beaux revenus en 2020 malgré la crise économique qui a frappé tous les secteurs. En termes de revenus sur les intérêts, la banque a récolté un montant total de 331,60 millions. Les frais liés à ces intérêts étaient de 16,80 millions et les revenus non liés aux intérêts étaient de 12,90 millions. En termes de cash flow, la banque a un pouvoir d'investissement de 2,98 milliards, un free cash flow de 226,39 millions, un free cash flow par action de 2, ce qui n'est pas mal du tout. En termes de cash flow, la banque a un pouvoir d'investissement de 2,98 milliards, un free cash flow de 226,39 millions, un free cash flow par action de 2, ce qui n'est pas mal du tout. Nous savons bien que chaque investissement porte un risque. Nous allons maintenant essayer d'analyser quels sont les risques associés avec un investissement dans l'action de Western Alliance Bancorp. Financièrement, l'entreprise est en très bonne santé. Les projections de croissance des gains sont estimées à 19,5%. Les projections de croissance sur revenus sont estimées à 21,4%. Le seul souci que je peux voir en ce moment, c'est comment est-ce que Western Alliance Bank va essayer de concorder ses activités avec l'acquisition qu'ils ont fait récemment de Emery Home Mortgage, qui est une banque qui est spécialisée dans le crédit immobilier. Comment est-ce que cette banque va s'intégrer dans les activités? Mais une chose est sûre, c'est que ça permettra à Western Alliance Bank d'avoir un revenu beaucoup plus vaste et de diversifier ses portefeuilles d'une manière. Le début du mois de mars, la banque avait annoncé qu'ils allaient émettre 2,3 millions d'actions pour un prix de 91 $. Et ces actions allaient être vendues aux investisseurs institutionnels pour requérir suffisamment de fonds pour faire l'acquisition ou bien l'achat d'une autre banque qui s'appelle Emery Home. Emery Home est une banque ou bien un service financier qui est spécialisé dans le crédit hypothécaire ou bien le crédit immobilier. Je pense que l'acquisition de Emery Home est une très bonne acquisition pour Western Alliance Bank parce que ça leur permettra en fait de renforcer leur service business ou bien leur service crédit sur le marché. Le secteur de crédit immobilier ou bien le crédit hypothécaire est un secteur très prometteur dans lequel West Alliance Bank pense qu'ils peuvent encore améliorer leurs services pour attirer plus de clients et surtout augmenter leurs revenus. Ce qui m'a vraiment étonné avec West Alliance Bancorp était que quand la banque avait annoncé la nouvelle qu'ils allaient émettre 2,3 millions d'actions sur le marché et revendre ça directement aux investisseurs institutionnels, c'est que le marché n'a pas mal réagi. Ça a été bien reçu par les investisseurs car l'action n'a pas fortement bougé, ce qui est une bonne chose. Ça veut tout simplement dire que les investisseurs ont confiance à la société et ont confiance à l'action et surtout au management. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle le fait que les investisseurs n'ont pas vendu la action dès que la nouvelle a été annoncée. La question que vous posez maintenant, c'est est-ce que je veux acheter cette action ou bien est-ce que c'est une action dans laquelle j'aimerais investir? Et la réponse est oui. Après avoir fait mes recherches et étudié la compagnie, je pense que Western Alliance Bancorp est une société que j'aimerais ajouter dans mon portefeuille. Je pense que l'action a très bien performé ces derniers temps. Le management a fait du très bon boulot et je pense que l'acquisition de Emery Home est une très bonne acquisition pour la banque. Financièrement, la banque est stable. La performance est bonne et je pense qu'ils vont continuer à performer de cette manière. Selon les analystes sur Wall Street, ils pensent que l'action va atteindre les 160 $ avant la fin de l'année. Mais la question que moi je me pose, c'est est-ce que
Western Alliance Bank Corporation est une action que j'aimerais garder sur le long terme. Et ça, par contre, je ne sais pas encore. Mais une chose est sûre, je veux commencer à prendre une position. Mon prix d'entrée, je ne vais pas vous le dire, ça serait réservé pour les personnes qui ont pris la formation. Mais je pense que je vais prendre une petite position pour commencer et puis regarder comment l'action va évoluer. Mais je pense que c'est une très bonne société dans laquelle il faudra investir. Ce n'est pas un conseil, c'est mon avis personnel que je partage avec vous. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que Western Alliance Bank Corporation est une action que vous connaissez ou bien une action dans laquelle vous souhaiterez investir? Merci de me donner vos raisons aussi. Merci encore une fois et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.